Alors un renvoi ce matin dans l'affaire Nassima Dindar, pourquoi ? Un renvoi pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est tout simplement que Mme Dindar a sollicité le concours d'un confrère qui ne peut pas être présent ce matin et qu'il est normal que la défense puisse être complète. C'est Maître Brossolet. La deuxième raison, c'est parce que tout simplement, nous avons fait une demande de dépaysement de ce dossier et que la Cour de cassation n'a pas encore été amenée à se prononcer. Et que bien évidemment, c'est légitime d'attendre aussi la réponse à cette demande. La troisième raison de ce renvoi, c'est que, avec la grève des avocats et le confinement, Mme Dindar y a été convoquée en début de cette année. On n'a pas eu le temps de la voir réellement pour travailler correctement ce dossier. Maître Gangat, pourquoi cette demande de dépaysement ? Encore une fois, ce n'est pas du tout une demande qui est fondée sur une défiance envers l'institution. S'il y a bien quelqu'un qui peut avoir confiance dans ses juges, c'est Mme Dindar. Donc ce n'est pas du tout contre les juges et contre l'institution judiciaire. C'est tout simplement parce qu'il y a un contexte de tension autour de ce dossier qui est réel, qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas contester. Et ce contexte de tension ne lui permet pas et ne nous permet pas à nous, défense, d'être dans la sérénité nécessaire pour exercer pleinement nos droits. Donc c'est juste pour lui permettre d'exercer pleinement ses droits de la défense dans la sérénité que nous pensons qu'une bonne administration de la justice à laquelle participe la défense doit permettre ce dépaysement. Pourquoi vous parlez de contexte de tension ? À quoi pensez-vous ? Je pense tout simplement à tout le contexte qu'il y a autour de ce dossier, c'est-à-dire le fait qu'il soit extrêmement médiatisé, le fait qu'il y a évidemment des prises à partie, qu'il y a évidemment des demandes d'explications, qu'il y a évidemment des jugements de valeur qui sont portés, à tort ou à raison, ce n'est pas mon problème de le qualifier. Chacun fait son travail. Les juges font leur travail, les avocats font leur travail, les journalistes font leur travail d'information, tout ça c'est légitime. Et il est aussi légitime que nous puissions défendre Mme Dindar, selon nous, dans un contexte apaisé.